Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ravi de vous. À présent, on a abordé, on a vu en guise d'introduction, les acteurs principaux des relations internationales et fondateurs des grandes institutions internationales, des grandes organisations internationales, les États. Ensuite, on a abordé justement les organisations internationales mises en place par ces États. On a abordé la semaine dernière l'évolution dans le temps depuis, disons, 1945 des organisations internationales. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qu'on appelle à d'autres acteurs qui peuvent, qui sont, certains sont des institutions internationales, certains sont en rapport ou en activité avec ces institutions-là, ce qu'on appelle les personnes privées. Mais avant de commencer le cours, juste une information que la responsable de formation m'a demandé de partager avec vous, c'est que le cours que vous aurez, le cours de 11 h avec M. Bodian, aura lieu à 12 h. Donc, au lieu de 11 h, vous aurez cours avec M. Bodian à 12 h. Donc, voilà. Vous pouvez aussi partager l'information à vos collègues. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vais d'abord partager mon écran. Donc, on va faire les points saillants. Comme d'habitude. Donc voilà. Donc les personnes privées dans la société internationale. Donc la personne privée, c'est l'ensemble. Qu'est-ce que c'est que les personnes privées? Juste en guise d'introduction et de précision, c'est les personnes physiques et les personnes morales. Les personnes physiques, c'est quoi? Les personnes physiques, les spécialistes du droit pourront commenter ce que je dis et apporter des nuances ou des éléments complémentaires. Les personnes physiques, c'est vous et moi, c'est les individus, ce qu'on appelle parfois les personnes humaines, n'est-ce pas? C'est vous, moi, l'ensemble des individus, l'ensemble des humains, on va dire ça comme ça. Les personnes morales, c'est l'ensemble des entités que forment, n'est-ce pas, ces individus-là et qui ont une personnalité juridique. Donc, par exemple, vous et moi, on décide de former une association ou former une ONG ou de former, pourquoi pas, un État un jour. Et donc, ces entités-là, ces personnes morales, ces personnes-là, ces entités-là ont une personnalité juridique. Une personnalité juridique, elle peut être interne comme internationale. Et donc, le fait que ces groupements de personnes-là aient une personnalité juridique, c'est ce qu'on appelle les personnes morales. Donc ici, vous avez dans le cours que vous avez eu sur la plateforme, un premier acteur, une première personne, disons, morale, c'est les organisations non gouvernementales. Et dans le cours, le prof a défini l'organisation internationale comme une personne morale, n'est-ce pas? Donc groupement, association, mouvement, institution, etc., créé par une initiative privée ou mixte, et qui rassemble des personnes physiques ou morales, privées ou publiques, de nationalités différentes, réunies pour mener une action internationale. Il s'agit d'une action étendue à plusieurs États qui n'a pas de but lucratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une ONG, la première chose la plus essentielle, c'est quoi? C'est que c'est une ONG est une personne morale et qu'elle est formée par un ensemble, un regroupement d'individus. Okay? Ces individus-là peuvent être de même nationalité, de nationalités différentes, peuvent être de même sexe, de sexe différent, etc. Donc, la diversité, n'est-ce pas, des individus. Et, chose essentielle, on va revenir sur la définition, sur une définition peut-être pour que ce soit plus clair pour vous. D'abord, prendre en compte que l'ONG est différente d'une organisation internationale. Ce qu'on a vu la dernière fois, quand on parle d'organisation internationale, on fait beaucoup référence, généralement référence à quoi? Aux organisations intergouvernementales, l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, l'ASEAN, le Mercosur, l'ALENA, etc. Ces organisations formées donc par des États.
Les ONG sont différentes de ces organisations-là. Comment? D'abord, ils sont formés par des États, alors que les ONG ne sont pas formées par des États, mais par des personnes ou groupes de personnes. Donc, quand vous voyez une organisation internationale formée par des personnes, c'est une ONG. Une organisation internationale gouvernementale ou intergouvernementale, elle est formée par des États. Donc, la première différence entre ONG et OIG, c'est que l'ONG est formée par des individus, par des personnes, plus global, par des personnes. Ces personnes peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Et l'organisation internationale ou l'organisation intergouvernementale, elle, est formée par des États. Première différence. Deuxième différence, très importante aussi, c'est que contrairement aux organisations internationales, organisations intergouvernementales, les ONG n'ont pas de personnalité juridique internationale. Les ONG n'ont pas de personnalité juridique internationale, même s'il y a une exception, un peu qui est une exception dans le système international dans le monde, c'est la Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales. Cette convention-là qui s'adresse à des pays européens, donc au sein de la zone européenne, confère à des ONG européennes une personnalité juridique. Mais sur l'ensemble du globe, sur le système international, pour la communauté internationale, par exemple au niveau des Nations Unies, les ONG n'ont pas de personnalité juridique internationale. Donc, si on vous demande à l'examen quelles sont les différences entre autres, les différences entre une ONG et une OIJ, vous direz que d'abord, l'OIJ est formée par des États, donc l'Organisation internationale gouvernementale. Rien que les termes parlent, organisation intergouvernementale, donc entre des gouvernements, qui relient des gouvernements intergouvernementaux, et organisations non gouvernementales. Donc rien que le nom peut vous aider. Les ONG, donc, ne sont pas formées par des États. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être en relation avec des États, on va le voir après. Si, et même des États peuvent être en activité ou à la limite, à des organisations où des États sont représentés, n'est-ce pas? Même si c'est très rare, mais il y en a. Mais la première différence, c'est que les ONG sont formées par des personnes, morales ou physiques, alors que les OIG, les organisations intergouvernementales, organisations internationales par abus de langage, sont formées par des États. Deuxième différence, les organisations internationales ont une personnalité juridique sur la scène internationale. Les organisations non gouvernementales n'ont pas de personnalité juridique internationale. Les ONG ont une personnalité juridique interne aux États. C'est-à-dire qu'une ONG qui est basée dans un État va avoir une personnalité juridique de cet État-là. Donc, va avoir les droits fixés par cet État-là, par le droit de cet État-là, et avoir, respecter les obligations de cet État-là. Okay? Après, s'il va avoir une activité internationale, il doit aussi observer les droits et obligations des territoires où il veut, n'est-ce pas, se baser. Okay? Donc, cependant, donc c'est une petite nuance par rapport à ça, les ONG sont donc en relation avec les OIG, avec les organisations intergouvernementales. Elles participent à des négociations interétatiques. Par exemple, vous avez vu les négociations il y a quelques années sur le climat, donc la conférence de Paris, etc. Il y a d'autres conférences sur le climat. Vous avez les États, vous avez les organisations internationales, vous avez les individus et vous avez les ONG qui sont présents. Okay? Elles ont un statut d'observateur dans certaines organisations internationales. C'est le cas de l'ONU, c'est le cas de l'Union européenne, c'est le cas de l'Union africaine, où des ONG ont un statut, où des ONG peuvent avoir un statut, n'est-ce pas, d'observateur. Elles jouent généralement un rôle consultatif. Ce rôle consultatif-là est reconnu par l'ECOSOC. Souvenez-vous, l'ECOSOC, c'est un des organes des Nations Unies. C'est le Conseil économique et social. Et ce Conseil économique et social-là reconnaît aux ONG non pas une personnalité juridique, mais un rôle consultatif, okay, au sein des organisations internationales. Donc, les ONG ont un rôle davantage consultatif. On les consulte, on les interroge, on prend en compte, à des degrés divers, bien sûr, leurs recommandations, et ça s'arrête là. Mais ils n'ont pas de personnalité juridique internationale. Leur seule personnalité juridique, elle est interne aux États ou à l'État auquel l'ONG est affiliée ou se trouve sa base. Une ONG est aussi différente d'une firme internationale ou firme multinationale qu'on va voir tout à l'heure. La firme internationale,
est à but lucratif. Donc, son objectif, c'est de faire des bénéfices, du chiffre d'affaires, etc. Tandis que l'ONG est à but non lucratif. Et donc, au final, vous pouvez considérer une ONG comme quoi ? Comme une organisation, il y a une petite erreur de frappe, une organisation qui n'est pas étatique, de un, qui n'est pas formée par des États, ensuite, qui n'est pas à but lucratif, donc qui est à but non lucratif, n'est-ce pas ? Deuxième caractéristique, qui regroupe enfin des personnes ou des groupes de personnes qui partagent des idées communes et qui s'engagent dans une action collective pour un enjeu donné ou pour des enjeux donnés aussi. Donc, ça peut être un enjeu donné ou des enjeux. Donc, vous voyez bien qu'une des caractéristiques principales d'une ONG, c'est qu'elle n'est pas formée par des États et elle est à but non lucratif. Extrêmement important, ces deux aspects-là. Et le fait qu'effectivement, elle est formée par, non pas par des États, mais par des personnes ou des groupes de personnes. Et ces groupes de personnes-là, s'ils décident de former une ONG, c'est parce qu'ils partagent des idées en commun. C'est parce qu'ils partagent, c'est des personnes, des idéaux, et qu'ils veulent mettre en place une action collective par rapport à un enjeu donné. Le climat, l'environnement, la défense, la protection des droits de l'homme, la défense, la protection des droits de la femme, etc. Tout ça constitue des enjeux que peuvent défendre les ONG. Quelques caractéristiques de ces ONG. Première caractéristique, leur portée géographique. Les ONG peuvent être locales. Une ONG peut agir dans un niveau local, dans un niveau national et dans un niveau international. Donc, vous avez des ONG qui ne sont pas internationales, mais qui sont nationales, par exemple. Okay? Donc, au Sénégal, vous avez des ONG qui ne sont actives qu'au Sénégal, principalement. Tandis qu'il y a des ONG qui sont actives au Sénégal et ailleurs. Okay? La Croix-Rouge, par exemple, c'est une organisation non gouvernementale internationale. Leur domaine d'action, il y a une diversité de domaines d'action, n'est-ce pas ? Dans le domaine politique, dans le domaine social, dans le domaine économique, dans le domaine environnemental, humanitaire, droits des minorités, etc. Il y a énormément de domaines dans lesquels les ONG sont actives. Leurs origines, les ONG sont historiquement issues des pays industrialisés développés. Mais ces dernières décennies, depuis presque 2, 3, 4 décennies, il y a quand même un grand mouvement, un fort mouvement, n'est-ce pas, d'organisations non gouvernementales dans les pays développés et dans ce qu'on appelle les pays émergents comme la Chine, l'Inde ou le Brésil, et dans des pays sous-développés comme les pays africains ou comme certains pays d'Asie, n'est-ce pas. Vous avez aussi la question de leur diversité, n'est-ce pas, les différents groupes de pression, les associations de charité, les organisations syndicales, professionnelles, religieuses, sportives, etc. Ça rejoint un peu les domaines d'action. Donc, il y a énormément d'organisations internationales, okay, au niveau de leur diversité. Leur fonction, on peut les consulter. Et ils ont un rôle de consultation, d'information, de sensibilisation, de mobilisation. Et tout ça grâce à quoi ? Grâce à leur connaissance et à leur expertise sur divers enjeux. Vous avez des ONG qui maîtrisent tout ce qui se rapporte en question des déplacés ou des minorités ou des réfugiés. Donc, des fois, les États, on va le voir après, font appel à ces organisations-là pour leur permettre d'être actifs ou de mettre en place des politiques. Donc, consultation, information, sensibilisation, mobilisation, etc., ce sont des fonctions que peuvent remplir des organisations internationales. Leurs moyens, évidemment, des moyens humains, des moyens financiers, matériels, médiatiques, juridique, etc. Donc, quand on parle des ONG, on fait généralement référence à celles qui ont une portée internationale que l'on nomme les organisations internationales non gouvernementales. Organisations internationales non gouvernementales. Pourquoi ? Parce que leur portée est internationale. Quand on parle des ONG, c'est généralement à ces ONG-là qui ont une portée internationale, Croix-Rouge, etc., auxquelles on fait référence. Okay, donc là, vous avez des exemples, n'est-ce pas, d'organisations non gouvernementales, plus précisément d'organisations internationales non gouvernementales, parce que leur action dépasse le cadre d'un État. Donc Oxfam, Croix-Rouge, Croissant Rouge, Médecins sans frontières, Plan international, CARE, Action Aide, etc., Amnesty International, et on en passe. Vous avez comme ça des milliers et des milliers d'ONG à travers le monde. Vous pouvez trouver d'autres exemples vous-même sur
sur Internet notamment. Donc, quelque chose qui est important aussi concernant les ONG, c'est leur autonomie d'action. Okay? C'est des acteurs qui n'ont pas de personnalité juridique au niveau international, mais qui ont quand même un rôle sur la scène internationale. Et dans leurs actions, les ONG doivent composer avec qui? Avec les États, qui sont les principaux acteurs du système international, qui sont les fondateurs, entre guillemets, des organisations intergouvernementales, organisations internationales. Et ce sont les États qui reconnaissent les ONG sur leur territoire. Okay? Donc, on a dit tout à l'heure que les ONG n'ont pas de personnalité juridique internationale, mais ils peuvent avoir une personnalité juridique interne aux États. Donc, c'est un État qui reconnaît une organisation internationale avant tout. La Croix-Rouge, avant tout, a été reconnue par l'administration, par le gouvernement, par l'État suisse, parce que sa base est suisse historiquement. Donc, est reconnue par l'État suisse avant de se pouvoir s'internationaliser, n'est-ce pas? Les ONG peuvent recevoir des financements des États. Il y a des ONG qui ne reçoivent pas de financement par choix, qu'ils ne veulent pas. Et il y a beaucoup d'ONG, par contre, qui peuvent, dans leur financement, peuvent recevoir des financements des États. Ensuite, quand des ONG veulent intervenir sur un territoire, par exemple, ils ne peuvent pas le faire sans l'aval de ces États. L'ONG Croix-Rouge, quand ils veulent intervenir, par exemple, en Irak ou en Afghanistan, ils ont besoin quand même de l'autorisation ou de l'aval du gouvernement afghan ou irakien en place, avec l'appui certainement d'autres organisations internationales comme l'Organisation des Nations Unies, comme l'OTAN, etc., pour assurer peut-être leur sécurité. Mais globalement, les ONG ont besoin de l'aval des États pour intervenir sur un territoire. Okay? Comme vous le savez, le territoire d'un État est sacré, le territoire d'un État est inviolable, et ça, c'est important pour les États parce que ça fait partie de leur ce qu'on a vu là dans le premier cours, de leur souveraineté, n'est-ce pas? Les ONG... Pardon. Les ONG peuvent également être en relation avec les firmes internationales, notamment sur leur financement. Donc, comme les États, les firmes internationales peuvent aussi financer des ONG. Par exemple, des grandes firmes ont dans le budget des choses qui peuvent entrer dans le social. Donc, ça, vous voyez que beaucoup de firmes internationales aujourd'hui ont une partie de leur budget qui est consacrée à leur activité sociale. Et dans ce cadre, ils peuvent être en relation avec des ONG pour les financer ou pour aider ces ONG à mettre en place des activités sociales dans un pays ou dans un quartier ou dans une zone, etc. Donc, vous voyez qu'au final, les États, les ONG, les firmes internationales, tous ces acteurs-là du système international, comme on l'a vu au début du cours, sont en interaction permanente. Ils ne sont pas en vase clos. Par ailleurs, les ONG sont également sollicitées par les États et les entreprises pour leur expertise et leur activité sociale. Voilà. Donc, tout ça vient confirmer le fait que ces ONG-là sont en rapport avec les États. Un État, par exemple, qui veut mettre en place, qui veut aider des réfugiés, qui veut aider des minorités, etc., peut travailler en collaboration avec une organisation non gouvernementale parce que cette organisation non gouvernementale-là a une expertise, a une connaissance de l'enjeu de l'enjeu auquel l'État veut s'attaquer. Et, comme on l'a vu, concernant les firmes, elles peuvent aider aussi les firmes dans leur activité sociale. La relation des ONG avec les États et les entreprises est donc complexe. Elle est à la fois une relation de coopération, mais aussi de rivalité, de méfiance, de concurrence, etc. Et ça, c'est valable pour les ONG et les États et les entreprises, c'est valable aussi entre les États, c'est valable entre les entreprises, donc c'est valable pour l'ensemble des acteurs, disons, du système international, c'est valable pour l'ensemble des institutions internationales, n'est-ce pas? Donc, l'autonomie d'action des ONG. Deuxième personne, on va dire, morale à part les ONG, c'est les firmes multinationales. Donc, ce sont dans le cours, le prof dit que ce sont des entreprises formées d'un centre de décision localisé dans un pays et de centres d'activité dotés ou non de personnalité juridique propre, situées dans un ou plusieurs pays selon l'Institut du droit international. Donc, c'est cette définition-là de l'Institut du droit international que reprend le professeur dans le document que vous avez en place. On peut donc voir une firme multinationale, qu'on abrège par FMN, n'est-ce pas, comme une entreprise qui a des activités dans plus d'un pays,
quand vous avez une entreprise qui a des activités que dans un seul pays, on ne peut pas parler de multinationales. Il faut que ce soit au moins dans plus d'un pays. Il y en a d'autres qui conseillent, il faut que ce soit dans, au moins dans 3 pays. Mais généralement, il est admis qu'il faut que ce soit dans plus, au moins dans plus d'un pays, à travers des filiales, et dont le siège social se trouve dans un pays, qui peut être son pays d'origine ou un autre pays. On parle aussi de firmes transnationales. Donc, quand vous entendez parler de firmes transnationales, de firmes multinationales, c'est une entreprise dont les activités sont, n'est-ce pas, dans un pays plus un autre, au moins, minimum, donc dans plus d'un pays. Et cette activité-là peut être faite à travers des filiales. Donc, une entreprise est aux États-Unis, elle a des filiales au Sénégal, c'est une multinationale. Maintenant, le siège social peut se trouver aux États-Unis parce que l'entreprise est née aux États-Unis, mais elle peut se trouver aussi au Sénégal parce que l'entreprise décide pour des raisons économiques, pour des raisons financières, pour des raisons politiques aussi parfois, de déplacer son siège social, quel que soit le pays où se trouve son siège social-là. Si l'entreprise a une activité qui dépasse le cadre d'un seul pays, on parle de firme multinationale, on parle de firme transnationale. Les firmes transnationales ou multinationales, comme les ONG, n'ont pas de personnalité juridique internationale. Là aussi, elles ont des personnalités juridiques internes. C'est là où la firme est née, dans le pays dans lequel la firme est née. C'est le droit de ces pays-là qui régit les activités de cette firme. Ensuite, si une firme américaine, donc, est régie par la loi américaine, si elle décide de s'installer sur le territoire chinois, c'est à la Chine de faire respecter sa loi par rapport à cette firme-là. Donc, même chose pour le Sénégal, même chose pour la Gambie, même chose pour l'Indonésie. Okay? Donc, les firmes s'adaptent généralement aux droits internes dans les pays dans lesquels elles veulent s'installer, n'est-ce pas? La grande différence, peut-être pas la seule, mais la grande différence entre les firmes multinationales et les ONG, c'est, on l'a vu tout à l'heure, l'aspect lucratif de leurs activités. En d'autres termes, c'est quoi? C'est que les firmes multinationales, en d'autres termes, on peut les considérer comme des organisations non gouvernementales, mais à but lucratif. Eux, c'est clair, c'est pour faire des bénéfices du chiffre d'affaires partagé ensuite par les actionnaires, etc. Donc, c'est très clair. Parce que les ONG, c'est des organisations non gouvernementales à but non lucratif. Je vous dis ça parce que des fois, dans la littérature, vous allez rencontrer une définition de la firme internationale comme organisation non gouvernementale. C'est vrai, les firmes internationales peuvent être considérées comme des organisations non gouvernementales. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas formées par des gouvernements. Ce ne sont pas des gouvernements qui forment des firmes multinationales. Donc, comme les ONG, les firmes multinationales peuvent être considérées comme des organisations non gouvernementales. La seule différence, c'est que leurs activités sont à but lucratif. Contrairement aux organisations non gouvernementales classiques, dont les activités sont à but non lucratif. Les FMN sont à but lucratif. Okay? Donc, c'est cette petite nuance-là qui différencie, n'est-ce pas, les firmes multinationales et les ONG. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Les deux, ONG comme firme multinationale, n'ont pas de personnalité juridique internationale. Il y en a eux qui manquent à l'international là. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun? D'autres, c'est qu'ils n'ont pas de personnalité juridique internationale, certes, mais ils ont une personnalité juridique interne. Donc, ils dépendent de la législation interne de l'État auquel ils dépendent. Quelques aspects, quelques aspects des firmes multinationales. D'abord, leur nombre, n'est-ce pas? En accroissement depuis les années 60-70, avec la libéralisation économique, etc. Et donc, aujourd'hui, dans le monde, vous avez plus de 60 000 multinationales, les chiffres peuvent varier, 60 000, 65 000, etc. Donc, vous avez au moins plus de 60 000 multinationales dans le monde. Et ces multinationales-là disposent de plus de 500 000 filiales dans le monde. Qu'est-ce que vous remarquez là? C'est qu'au final, on a plus de multinationales que d'États. Vous n'avez pas 60 000 États dans le monde. Les États dans le monde, au mieux, c'est 204 États. Donc, 193 sont membres des Nations Unies. Donc, vous avez plus de multinationales que d'États. Et vous avez plus de filiales que de multinationales. Ce qui est normal. Coca-Cola, par exemple, aura des filiales partout dans le monde. Okay? Microsoft fera pareil. Apple fera pareil, etc. Donc,
les grandes multinationales ont un peu partout des filiales dans le monde. Okay? Donc, le réseau est ensuite, généralement, les grandes firmes internationales appartiennent aux pays industrialisés occidentaux, les États-Unis, l'Europe, le Japon, principalement. Mais ces dernières décennies, il y a de grandes multinationales qui viennent des pays émergents ou des pays en développement, notamment en Chine, notamment au Brésil, notamment en Inde, en Afrique du Sud. Donc, vous avez de grandes multinationales qui viennent de ces pays émergents-là et même des pays en développement. Leur activité, les firmes multinationales peuvent agir ou influencer dans différents domaines. Okay? Au-delà du fait qu'ils sont des organisations à but lucratif, ils peuvent influencer le domaine économique, le domaine financier, commercial, ils peuvent avoir une influence politique, culturelle, environnementale, etc. Leur concentration. Plusieurs firmes multinationales, mais la plupart sont détenues par de plus grandes firmes multinationales. Okay? Donc, vous avez différentes firmes et au-dessus de ces firmes-là, vous avez d'autres firmes. Okay? Donc, au final, vous avez des firmes qui dépendent de plus grandes firmes. Okay? C'est ce phénomène qu'on appelle la concentration, n'est-ce pas, des firmes. Traduisant ainsi la concentration des firmes multinationales dans divers secteurs comme la finance, la distribution, le commerce, etc. L'habillement, tout ça, c'est des secteurs où vous trouvez un grand groupe et ce grand groupe-là a en son sein plusieurs filiales, plusieurs firmes. Ces firmes-là ont plusieurs filiales, etc. Donc, c'est une organisation qu'on peut dire à la chaîne ou à hiérarchique ou en pyramide, parfois, si vous voulez. Leur relation avec les États. Okay? Et cette relation-là, elle est complexe. Pourquoi elle est complexe? Parce que les firmes peuvent être en désaccord, en conflit avec les États, si les intérêts ne sont pas communs. Okay? Donc, une firme qui s'installe dans un État et que l'État, à la fin, voit que cette firme-là ne répond pas à ses attentes, à ses intérêts, ça peut amener des désaccords, des conflits entre les États. Mais ces relations-là peuvent aussi être dictées par la coopération avec les États. Et même des firmes pour servir les intérêts des États. Par exemple, les grandes firmes américaines participent à l'extension du modèle américain, participent à l'extension de la puissance américaine. Okay? Coca-Cola, Apple, Microsoft, tout ça, les grandes compagnies américaines font partie, sont aussi utilisées par les États-Unis dans leurs relations internationales, dans leur politique étrangère, dans leur soft power, peut-être pas le lier ici, dans leur relation avec les autres pays. N'est-ce pas? Google, tout ça, c'est des instruments que c'est des firmes que les États-Unis peuvent mettre en avant pour montrer leur puissance à la fois économique, à la fois technologique, etc. Donc, vous voyez que les relations entre les États et les firmes multinationales sont complexes. Donc, vous avez là des exemples de firmes internationales. Vous en connaissez beaucoup, ok? Google, McDonald's, Coca-Cola, Yahoo, Toshiba, IKEA, Pepsi, Canon, Facebook, Twitter, Amazon, Samsung, Unilever, Mastercard, eBay, j'en passe. Vous en connaissez des pelles et des mains. Donc, on ne va pas trop se présenter là-dessus. Pour terminer donc, les individus, donc les personnes, disons, physiques, n'est-ce pas? En droit international, d'abord, l'implication grandissante des individus dans les affaires internationales a notamment conduit les États à mettre en place des mécanismes pour protéger les individus et pour les responsabiliser face à leurs actes. Donc, les individus sont aussi, comme les firmes, comme les ONG, sont des acteurs qui deviennent importants dans les relations internationales et dans le droit international. Et pour un peu encadrer leur activité, les États ont mis en place, mais pas seulement les États, en coopération, par exemple, avec des organisations internationales ou avec des ONG, des mécanismes pour protéger les individus, mais aussi pour responsabiliser les individus face à leurs actes, n'est-ce pas? Ainsi, les individus sont susceptibles d'être protégés, donc mécanisme de protection des droits de l'homme au niveau régional, au niveau international. Vous avez des conventions des droits de l'homme un peu partout dans le monde. Vous avez des chartes d'organisations internationales ou d'organisations internationales régionale qui prévoit de protection des droits de l'homme. Vous en avez en Afrique, vous en avez en Europe, vous en avez dans les Amériques, etc. Et de juger des individus en cas de crime contre l'humanité ou crime de guerre. Le premier exemple, ça a certainement été le tribunal de Nuremberg en 1945-46 qui a jugé
les chefs nazis qui n'ont pas été, qui sont restés vivants et qu'on a jugés après la Seconde Guerre mondiale, notamment pour l'Holocauste et pour la déportation des Juifs, etc. Donc, pas seulement pour les autres crimes commis, notamment en Europe. Vous avez le tribunal de Tokyo, même chose. Cette fois-ci, ce n'est pas c'est pas pour les nazis, mais c'est pour les responsables, disons, japonais, après en 1946, responsables japonais de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez le tribunal pénal international, qui, lui, effectivement, s'occupe, comme le nom l'indique, du tribunal pénal international, des affaires pénales au niveau international, qui juge les individus. Et vous avez des institutions, des tribunaux qui ont été créés pour s'occuper, n'est-ce pas, d'un cas donné. Et là, vous avez les deux cas qui reviennent le plus, c'est le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, des pays Y, donc les crimes qui ont été commis en Yougoslavie lors de la guerre de Yougoslavie. Et vous avez le tribunal pénal international pour le Rwanda, pour juger les individus qui ont eu à faire des actions, de mauvaises actions, des crimes lors du génocide rwandais. Donc tout ça, c'est des choses qui sont mises en place pour soit protéger, soit pour juger les individus qui sont des acteurs importants du système international. Dans les relations internationales, donc ça, on parlait un peu de droit, mais maintenant en relations internationales, et les deux sont liés bien évidemment, les individus sont des acteurs influents comme les autres acteurs non étatiques. Leur implication peut être positive, donc quand les individus ont des activités caritatives, sociales, etc. Donc, leur implication est positive ou négative, activité criminelle ou terroriste. Okay? Donc, cette présence des individus-là dans les relations internationales, elle est complexe. Et on peut les lier justement à la question du droit. Donc, ceux qui ont des activités positives pourront être protégés, etc. Ceux qui ont des activités négatives, activités criminelles, terrorisme, seront jugés soit par le jugement interne des États, soit par le droit international pénal. Les individus ont certaines influences sur les autres acteurs comme les États ou les organisations internationales. C'est notamment le rôle de la société civile sur des questions de relations internationales, sur des questions nationales, bien évidemment, mais aussi sur des questions de politique étrangère. Il se peut qu'une société civile, donc les individus, influence un État à prendre une décision par rapport à une autre. Okay? Les Américains, par exemple, ont eu, l'opinion américaine a eu une certaine influence sur quoi? Sur le retrait, par exemple, des troupes américaines d'Irak, à l'arrivée du président Obama, par exemple, en 2008. Au-delà du fait que lui avait cette perception-là, avait cette idée-là, mais l'opinion américaine en elle-même était, au début, était pour la guerre parce que c'était au lendemain des attentats du 11 septembre, etc. Mais au fur et à mesure que le conflit avançait, qu'il y avait des scandales, etc. L'opinion américaine, l'opinion publique américaine, la société civile américaine était devenue opposée, n'est-ce pas, à la guerre. Et donc, ça a eu quand même une influence sur la décision des États-Unis de sortir d'Irak après la Deuxième Guerre d'Irak. N'est-ce pas? Par ailleurs, les débats sur les migrations, les réfugiés, les apatrides, les minorités, etc., constituent aujourd'hui des défis pour les États dans leurs relations avec les individus. Et la place de ces derniers en droit et en relations internationales. Donc, tous ces débats-là, tous ces enjeux-là de migration, de réfugiés, migration légale comme illégale, réfugiés, apatrides, minorités, etc., tous ces enjeux-là amènent les États à se poser des questions sur leurs relations avec les individus, sur la place des individus et sur l'influence, sur les relations qu'ils peuvent avoir avec les individus et sur la place, le rôle, l'influence des individus dans les relations internationales et dans le droit international. Okay? Donc, vous voyez bien que ce soit les individus, que ce soit les firmes internationales, que ce soit, je vais y arriver, les ONG, ces types d'acteurs-là de la scène internationale représentent, n'est-ce pas, à la fois des acteurs importants à côté des États et, chose importante, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ne sont pas en vase clos, ils sont en interaction permanente les uns avec les autres. Déjà en leur sein, les organisations internationales non gouvernementales sont en interaction entre eux, mais ils sont en interaction avec d'autres acteurs comme les États, les individus, etc. Donc c'est ce qu'il fallait ici saisir, n'est-ce pas, à travers ce cours-là, comme on l'a fait,
Et comme d'habitude, donc, le plus important maintenant, c'est que vous ayez une compréhension avec les lectures que vous avez faites, avec la présentation que je viens de faire, et qu'on discute à travers vos questions, qu'on essaie d'aborder, qu'on essaie d'apporter des éclaircissements ou des choses qui ne sont pas claires pour vous. Voilà. Ibrahima, je ne sais pas si, si on peut faire comme la dernière fois. Je vois que Ndaye Marem est là. Bonjour Ndaye Marem. Donc, m'envoyer les questions ou bien même activer le micro pour lire les questions si ça ne vous gêne pas, mais vous pouvez m'envoyer les questions et voilà. Parfait. Donc, aux étudiants, j'attends vos questions. Parfait. Alors, parfait. Merci, Ndaye Marem. Oui, je vais voir les questions. Je vois les questions sur le chat. Donc, Souleymane Diallo qui demande, est-ce que les firmes multinationales ne causent pas des impacts sur l'économie d'un pays, par exemple, au Sénégal? Oui, évidemment, les firmes multinationales sont au cœur de l'économie mondiale. Donc, c'est normal qu'ils aient un impact sur l'économie non seulement d'un pays, mais de l'ensemble pratiquement des pays. Donc, et les firmes multinationales sont par exemple des gens qui investissent, des gens qui emploient, okay? des individus ou par exemple une firme internationale qui s'installe au Sénégal va employer des Sénégalais, va payer peut-être des impôts, des cotisations au Sénégal, donc, et peut avoir une influence, va avoir des rapports avec le gouvernement sénégalais par exemple, ou avec l'administration d'une commune ou d'une ville ou d'une région. Okay? Après, c'est assez... les unités administratives, là, l'État, la région, le département, de définir le type de relation qu'ils peuvent avoir avec, avec la firme. Ça peut être des relations très complexes, très compliquées. Ça peut être aussi des relations très courtoises qui bénéficient à tout un chacun. Donc, effectivement, les firmes nationales ont un impact sur l'économie d'un pays, non seulement le Sénégal, mais de grands pays comme les États-Unis. Aujourd'hui, l'économie américaine repose beaucoup sur les grandes firmes américaines. N'est-ce pas? Pourquoi y a-t-il méfiance entre les firmes et les États, Bobo Diame. Oui, il peut y avoir une relation de méfiance. Pourquoi entre les firmes et les États? Non seulement entre les firmes et les États, mais entre parfois aussi les ONG et les États. Mais dans ce cas-là, entre les firmes et les États, pourquoi? Parce que parfois, leurs intérêts ne sont pas les mêmes. Okay? Une firme multinationale qui vient s'installer dans un pays, par exemple, et qui ne respecte pas les droits, la réglementation du pays, qui ne respecte pas ses engagements pris par rapport... quand il s'est installé dans le pays, ça, les relations peuvent devenir très vite des relations de méfiance, voire de rivalité, d'opposition. Et ça, on le voit un peu partout dans le monde. Okay? Donc, les relations entre les firmes et les États ne sont pas toujours des relations de coopération. Oulimatou Fanta Bodian, si les ONG n'ont pas un but lucratif, alors qui les finance? Les ONG peuvent avoir des sources de financement assez diverses. Elles peuvent se financer elles-mêmes par cotisation des membres ou par demande d'aide à travers les individus, etc. Elles peuvent avoir des financements de la part des États. Okay? De la part des États. Donc, leur source de financement ne veut pas dire qu'ils ne sont pas à but... Quand on dit que les ONG ne sont pas à but non lucratif, ça ne veut pas dire qu'ils ne se financent pas. Non, ça c'est autre chose. Se financer, c'est autre chose que le type d'activité. Quand on dit que les ONG ne sont pas sont des ONG à but non lucratif, c'est parce que leur objectif premier, ce n'est pas de faire du chiffre d'affaires ou des bénéfices. Leur objectif principal, avant tout, c'est d'être actif sur un enjeu donné. Et ça, pour cet enjeu, ils ont besoin de financement. Ce financement-là peut provenir d'un État ou pas, peut provenir d'une organisation internationale étatique, interétatique, etc. Peut provenir des individus. Okay?
Est-ce que les organisations internationales parviennent à jouer le rôle dans les pays actuellement en guerre, par exemple en Afghanistan? Quel est le rôle de l'ONU? Oui, on en a parlé la dernière fois. Les organisations internationales peuvent être très importantes dans les conflits, dans les crises internationales, etc. Actuellement, en Afghanistan, par exemple, est-ce que quel peut être le rôle de l'ONU? Elle n'est pas encore aussi important parce que les conditions ne sont pas réunies. Mais si on en revient aux ONG, peut-être que d'ici quelques mois, quelques semaines, les ONG, peut-être que ça a, je pense même que ça a commencé, des ONG sont actifs, n'est-ce pas, en Afghanistan. Des ONG comme la Croix-Rouge, etc., sont des ONG qui peuvent être actives dans des crises comme en Afghanistan, comme en Irak, comme en Syrie, etc. Quel est le rôle fondamental des FMN? Ce sont les firmes multinationales sont les acteurs principaux, on va dire ça comme ça, de l'économie internationale. Ils sont au cœur de l'économie internationale, bien sûr avec les États. Ils détiennent les investissements, ils détiennent les financements, ils sont au cœur du système économique international. Donc ils sont importants là-dessus. Okay? Aujourd'hui, si vous enlevez des grands groupes comme Coca-Cola, comme Google, comme Apple, comme Microsoft, comme Huawei, ces grands groupes-là, si vous les enlevez du paysage, ça peut avoir un impact sur dans le domaine d'activité de ces firmes-là. Et avoir un impact en plus sur l'économie des pays, de leur pays d'origine. Okay? Pourriez-vous revenir un peu sur la différence entre les firmes et les ONG? Les firmes et les ONG, leur principale différence, on l'a dit tout à l'heure, c'est quoi? C'est que les firmes multinationales sont à but lucratif. Leur intérêt, c'est avant tout de faire du bénéfice, du chiffre d'affaires, qu'ensuite on partage cela entre les actionnaires ou ceux qui détiennent l'entreprise, etc. Donc, c'est pour du lucratif. Les ONG sont des organisations internationales non gouvernementales à but non lucratif. L'objectif, ce n'est pas du lucratif. OK? Et donc, c'est ça la différence fondamentale entre les firmes et les ONG, Nafissa Tukobor. C'est ça la différence entre les deux. C'est les unes sont à but lucratif, donc l'intérêt économique, l'intérêt financier, etc. Les autres sont à but non lucratif, l'intérêt économique et financier est secondaire, voire même n'existe pas. Ensuite, Rokhaya Faye qui demande quel doit être le rôle d'une firme internationale dans le pays accueillant. Une firme qui s'installe dans un pays, c'est avant tout pour étendre ses activités économiques et pour faire du bénéfice. Donc, c'est très clair. Maintenant, c'est au pays qui l'accueille de voir comment est-ce que, n'est-ce pas, le fait d'accueillir ces firmes internationales-là peut être bénéfique à la population de son pays. Donc, en matière d'emploi, en matière d'investissement, en matière de social, en matière environnementale, etc., c'est au pays de définir comment est-ce que, bien sûr, en négociation avec la firme, c'est au pays de définir comment est-ce qu'il perçoit la présence de cette firme-là sur son territoire. Okay? Et c'est là tout le dilemme, des fois, tout le problème entre les firmes et les États. C'est-à-dire qu'au début, on peut s'entendre, et à la fin, on voit que ce n'est pas ce qui était prévu qui a lieu, et ça peut amener donc des relations parfois difficiles entre les firmes et des États. On a vu ça dans plusieurs pays, notamment en Afrique et en Amérique latine, où même une firme qui était... Une entreprise qui était au début une entreprise nationale, qui est rachetée par une firme ou bien des individus, donc qui est devenue privée. Et à un moment donné, on décide de nationaliser à nouveau cette firme-là parce qu'on considère que cette firme ne considère pas les intérêts nationaux ou l'intérêt national du pays en question. Monsieur Ibu Djemé, monsieur, il est normal qu'une firme soit moins taxée que les entreprises nationales. Est-ce qu'il est normal ou anormal? Ah, c'est une question à laquelle on peut dépendre, on peut débattre pendant des heures. Le plus important, on en revient encore à l'État, parce que tout ça dépend de l'État. Si l'État dit qu'une firme sera moins taxée une firme internationale sera moins taxée qu'une firme nationale, peut-être que c'est pour, dans le cadre d'une politique d'attraction, pour attirer, n'est-ce pas, ces firmes-là à s'installer dans le pays. Ok, peut-être que c'est ça. Donc, ça peut être une explication, en tout cas, de pourquoi de telles politiques fiscales sont mises en place. OK, par exemple, tout cela, en tout cas, c'est à l'État, et ça, c'est à l'État de définir
le niveau de taxation, etc., qu'il impose à ces taxes, à ces entreprises nationales ou internationales. Mais il faut savoir une chose, si vous faites quelque chose pour les firmes internationales, vous devez en contrepartie aussi, pour ne pas perdre le fil avec les entreprises nationales, vous devez aussi leur garantir certaines choses. Et donc, généralement, les États arrivent à, n'est-ce pas, pour ne pas perdre leur fil industriel, par exemple, arrivent à s'entendre avec leur entreprise nationale et à créer les conditions nécessaires, n'est-ce pas, pour aider les firmes internationales à s'imposer. Vous savez, les firmes internationales, s'il y a une chose ou deux qui leur sont chères, c'est d'abord la situation, la stabilité du pays. On va être dans un pays qui est stable, politiquement, économiquement stable, notamment politiquement, donc pays qui est en paix relative, qui n'est pas en guerre, etc. Un pays en guerre, on n'a pas tout l'intérêt de s'installer là-bas, même si ça existe, attention. Il y a des firmes, au contraire, qui peuvent s'installer dans des pays qui sont en guerre parce que leur intérêt, c'est globalement, les firmes, la stabilité politique d'un pays important. Ensuite, les conditions effectivement économiques et aux choses importantes aussi, conditions économiques et fiscales. Mais autre chose qui est très importante aussi, c'est la qualité de la main-d'œuvre. Donc la formation, l'éducation, tout ça, c'est important pour l'entreprise qui va s'installer dans un pays pour savoir si la population en place a les capacités intellectuelles, etc., pour pouvoir entrer dans ces activités. Est-il possible de supprimer les organisations non gouvernementales? Vous savez, les organisations non gouvernementales, comme les organisations gouvernementales, comme les États, comme les individus, leur point commun à tous, c'est quoi? C'est que ce sont des entités qui naissent et qui disparaissent. Donc, au final, une organisation non gouvernementale peut disparaître. Une organisation non gouvernementale comme gouvernementale, donc, peut disparaître. Est-ce qu'elle peut être supprimée dans un État? Oui, c'est-à-dire qu'un État peut décider de geler les activités d'une ONG pour diverses raisons. Et donc, l'ONG n'a plus le droit d'exercer sur le territoire de cet État-là, par exemple. Ça arrive. Okay. Quel est l'objectif, Ngor Ndiaye? L'objectif des firmes multinationales. Le principal objectif, c'est d'étendre les activités économiques et financières, et commerciales, évidemment. C'est de sauvegarder leurs intérêts, c'est de créer des bénéfices, c'est de faire du chiffre d'affaires. Donc, au final, comme on l'a dit tout à l'heure, leur objectif est à but lucratif. C'est le lucratif qui les intéresse. Okay? Après, dans leur mission, dans leurs activités, les firmes multinationales peuvent avoir des influences ou des activités reliées, par exemple, au domaine politique, au domaine environnemental, au domaine climatique, au domaine social, etc. Donc, ça arrive. Orange Sénégal, par exemple, ce n'est pas seulement faire de l'argent et s'en aller. Non, c'est ça. Ils sont là pour, effectivement, avoir des plus-values, avoir des bénéfices, des chiffres d'affaires, etc. Mais ils interviennent aussi dans le social, ils interviennent dans d'autres activités qui ne sont pas qu'économiques ou commerciales. Okay? Et ça, ce n'est pas seulement pour Orange, mais c'est pour toutes les firmes dans le monde, dans le monde entier. S'il y a un désaccord entre une firme et un État, est-ce que cela peut faire qu'on élimine cette firme? On ne peut pas éliminer du jour au lendemain une firme. Ce que, s'il y a un désaccord entre un État, ce qu'un État peut faire, c'est demander à cette firme-là de quitter son territoire. Ça, c'est possible. Un État peut demander à une firme internationale de quitter son territoire parce que les conditions ne sont pas réunies ou bien les intérêts ne sont pas. Et la firme peut décider elle aussi de quitter un territoire. En délocalisant ses activités, en quittant carrément le territoire. Mohamed Sambat Baldé, est-ce que les firmes multinationales ne peuvent pas causer la chute de l'économie d'un pays? Si c'est le cas, quelle serait la position de l'État? Les firmes multinationales sont des acteurs très puissants et l'histoire nous a montré effectivement que des pays ont vu leur économie chuter à cause d'une firme multinationale. Mais détrompez-vous, ce n'est pas seulement, quand on parle généralement de ça, on parle des pays sous-développés, etc. Mais par exemple, la crise économique et financière de 2008, qui a fait vaciller l'économie mondiale, mais qui a fait vaciller l'économie américaine, la première puissance économique mondiale, c'est parce que ces firmes internationales, ces grandes banques,
était en souffrance, était en crise. Donc, quel que soit l'État, puissant ou pas, si les grandes firmes qui composent, qui sont en tout cas dans cet État-là, sont en chute, sont en déclin, ça a un impact sur l'économie de cet État-là. Donc, l'influence des firmes ne dépend pas seulement du niveau de développement ou du niveau de puissance économique des États, mais elle dépend aussi de quoi? Elle dépend de l'envergure que prend la firme, l'envergure que représente qu'a la firme sur l'économie ou dans l'économie de cet État-là. Okay? Si dans l'économie américaine aujourd'hui, vous avez General Motors, vous avez Coca-Cola Company, vous avez Apple, Microsoft, qui sont tous en déclin du jour au lendemain, vous pouvez être sûr que ça a un impact sur l'économie américaine parce que leur chute, ça veut dire quoi? Des investissements en moins, des gens au chômage, etc., etc., etc. Donc, l'impact sur les États est important. Même chose pour un État où ils veulent s'installer, par exemple au Sénégal. Si aujourd'hui au Sénégal, malgré tout ce qu'on peut dire, Orange décidait de s'en aller, de cesser toute activité au Sénégal, ça aurait des impacts sur l'économie sénégalaise, automatiquement. Ça aurait des impacts sur l'emploi au Sénégal. Ça aurait des impacts sur certaines activités sociales au Sénégal, etc. C'est valable pour Orange, c'est valable pour peut-être la Socosim, c'est valable pour d'autres firmes qui sont présentes au Sénégal. OK? Michel Ndiaye, quelles sont les stratégies des firmes multinationales pour gagner en compétitivité? Ah, ça, il faudra poser certainement la question aux gens qui sont en gestion, etc. Mais les stratégies des multinationales, juste pour répondre brièvement à cette question-là, elles sont diverses, elles sont variées. OK? Les stratégies d'implantation, dans quel pays on va s'implanter, quelle activité on va faire dans ce pays-là, quels produits on va mettre en place. Est-ce qu'on va mettre en place le même produit en Gambie qu'en Arabie Saoudite qu'au Sénégal? Quel est le type de consommation de cette population-là? Tout cela est étudié par les entreprises pour s'installer ou pour s'agrandir et pour concurrencer l'autre. OK? La concurrence Pepsi-Cola, Coca-Cola, par exemple, certains considèrent que c'est le même produit, c'est la même chose, d'autres non, etc. Donc, ces entreprises-là ont des stratégies différentes, ont des techniques différentes, ont des objectifs à travers les États qui sont différents. Okay? Donc, cette question-là, c'est plutôt les gestionnaires, les financiers qui pourront certainement vous apporter une réponse beaucoup plus juste. Mais le plus important, c'est qu'effectivement, pour gagner en compétitivité et pour gagner en concurrence par rapport à leurs concurrents, pour ne pas me répéter, ces firmes multinationales-là définissent des stratégies qui touchent l'ensemble des secteurs, que ce soit dans un pays ou dans une région ou dans différents pays. Mam Ousmane Nian, par exemple, le 5 mars dernier, partout dans le pays, on constate que les manifestants ont saccagé beaucoup de filiales, oui, disons, de firmes multinationales. Okay. Quelles sont les politiques mises en œuvre pour les protéger? Écoutez, la protection des filiales ou des possessions des firmes multinationales, elle est garantie par l'État dans lequel ces firmes-là s'installent. Okay. Donc, dans le cas du Sénégal, les saccages qu'a connu par exemple Orange ou Auchan ou d'autres, hein, okay, mais pour ne citer que ces deux-là, la responsabilité de protection, elle incombe à l'État sénégalais. Pourquoi? Parce que ces firmes-là se trouvent sur le territoire sénégalais. C'est tout. Donc, c'est à l'État sénégalais, l'État donc où se trouvent ces firmes-là, de les protéger. Okay? Et donc, c'est à l'État de répondre de manière satisfaisante à la protection de ces filiales-là, qui sont pas des personnes physiques, évidemment, mais qui sont des personnes morales, qui ont des droits et des obligations. Et parmi ces droits, il y a le droit d'être protégé. Elle doit être protégée. Sigasso, pourquoi les relations internationales montrent toutes leurs limites sur la question israélo-palestinienne? Siga, je ne pourrais pas répondre à cette question-là ici, parce que ce n'est pas le but de ce chapitre-là, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on parle des institutions internationales, on parle de tout ce qui est ONG, firmes internationales. Donc, ce n'est pas
le bon endroit aujourd'hui pour poser cette question-là. On pourra en parler peut-être hors cours ou bien dans vos cours de relations internationales, par exemple. Okay. Donc, je vais bien évidemment sauter cette question-là. Je pourrais y répondre, mais c'est pas le lieu pour ça. Pourquoi les pays asiatiques, Abdou Ndiaye, particulièrement la Chine, en Chine, on rejette beaucoup d'entreprises américaines d'implanter leur locaté. J'ai pas compris. Pourquoi les pays asiatiques, particulièrement, on rejette beaucoup d'entreprises. Si j'ai bien compris la question, pourquoi les pays asiatiques rejettent l'implantation d'entreprises américaines? Je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est sûr qu'il y a toujours débat entre la présence des grandes firmes, notamment américaines, un peu partout dans le monde et notamment en Chine. Mais il faut savoir une chose, la plupart des grandes multinationales américaines aujourd'hui sont présentes en Chine, sont présentes en Asie, pour des raisons bien évidemment économiques, financières, commerciales, fiscales, que ça coûte moins cher de produire en Chine qu'aux États-Unis par exemple, ou en Chine, Cambodge, Vietnam, les entreprises américaines, mais aussi les entreprises, disons, européennes ou japonaises, ça existe. Mais globalement, les grandes firmes américaines, Microsoft, Apple, etc., Coca-Cola, tout ce que vous voulez, les grandes firmes en matière d'habillement, Nike, Adidas, même si Adidas est plutôt européen, Nike plutôt, sont présentes en Chine. Ils ont une partie de leur production qui a été, n'est-ce pas, délocalisée en Chine ou en Asie. Est-ce que, Khalil Moulahi, est-ce que les firmes multinationales ne sont pas au cœur du développement des pays développés? Oui, on peut le penser, effectivement, on peut le dire. Le développement des pays industrialisés, des pays développés aujourd'hui, États-Unis, Chine, États-Unis, Japon, les pays européens, même aujourd'hui la Chine, c'est beaucoup appuyé sur la force, n'est-ce pas, de leurs firmes internationales, qui étaient avant tout, beaucoup d'entre elles étaient avant tout, avant d'être des firmes internationales, étaient des firmes avant tout nationales, qui sont nées dans le pays, qui ont des activités, n'est-ce pas, par exemple aux États-Unis, avant de s'étendre, parce qu'ils ont pris de l'envergure, ils ont pris de l'importance. OK? Donc, on peut pas nier cela. On peut pas nier cela, effectivement. Donc, les firmes multinationales, pourquoi ils seraient au cœur du développement? Parce que ils créent, c'est elles qui créent de la croissance. C'est elles, donc, cette croissance-là peut aider au développement du pays. C'est elles qui sont au cœur des emplois. Et ces emplois-là vont permettre d'augmenter la consommation, d'augmenter le niveau de vie, etc. Donc, vous voyez bien qu'au final, tout ce qu'on dit tout à l'heure, c'est les firmes internationales ont besoin des États, les États ont besoin des firmes multinationales. OK? Et on en a parlé tout à l'heure. L'économie américaine, par exemple, repose en grande partie sur les grandes firmes américaines et utilise parfois ces grandes firmes américaines-là dans sa politique étrangère, dans sa diplomatie, on appelle souvent qu'on peut appeler la diplomatie économique, n'est-ce pas? Dans ses relations internationales, dans ses relations avec les autres États, les États-Unis s'appuient souvent sur leurs grandes firmes internationales. Zainab Sarr, donc on peut dire que les firmes multinationales sont indépendants des États. Les États n'ont aucune influence sur les firmes. Non, on ne peut pas dire que les États n'ont aucune influence sur les firmes. C'est tout le contraire qu'on vient de dire. On vient de dire que les États ont une influence sur les firmes et les firmes peuvent avoir une influence sur les États. C'est pour ça qu'on parle d'interaction, okay? D'interconnexion, d'interdépendance, n'est-ce pas? Tous ces acteurs dont on vient de parler, les firmes, les ONG, les États, sont liés entre elles et s'influencent mutuellement. Mutuellement. Aujourd'hui, les grandes firmes américaines ont besoin du gouvernement américain, par exemple, pour s'installer dans un pays ou pour garantir leur sécurité ou pour faciliter certaines démarches par rapport à un État. Et l'État américain a besoin aussi de ces firmes pour des raisons économiques, pour des raisons financières, pour des raisons commerciales, pour solidifier en un mot l'économie américaine. Okay? C'est valable pour les... Je donne souvent le cas des États-Unis parce que c'est la première puissance. C'est le pays qui englobe les plus grandes multinationales mondiales. Mais ce qu'on dit des États-Unis, c'est valable pour les Américains, c'est valable pour la France, c'est valable pour la Chine, c'est valable pour le Japon, n'est-ce pas? Donc, les firmes internationales sont, quand on dit indépendants, oui, autonomes par rapport aux États. Mais on ne peut pas dire que les États n'ont aucune influence sur les firmes. Si, et les firmes ont aussi une influence
sur les États, bien évidemment. Ibrahim Diouf, la CEDEAO, de par leur communiqué face au coup d'État, comment... je répète encore une fois, comme la question de tout à l'heure, les questions liées à la question israélo-palestinienne, à la question du coup d'État en Guinée, etc., ce n'est pas pour l'instant le lieu pour parler de ça. Okay. Là, on parle des ONG, on parle des firmes internationales. Donc, ces questions-là, vous pouvez les réserver à d'autres cours comme le cours de relations internationales ou des cours de sciences politiques, par exemple, introduction aux sciences politiques, peut-être. Okay, quand vous abordez la question des légitimités, etc., vous pouvez l'aborder là-bas, mais pas ici. Okay, donc, Ibrahim Diouf, la question de la CEDEAO, comme tout à l'heure avec votre collègue, sur la question israélo-palestinienne, je ne pourrai pas y répondre là. Sylla Bassène, quel est le rôle et l'importance des firmes internationales et des ONG? On en a parlé tout à l'heure, n'est-ce pas? Les firmes internationales ont une importance notamment dans l'économie internationale, dans la finance internationale, et dans le commerce international. Okay? Les ONG ont une importance dans quoi? Dans tout ce qui est activité sociale, dans tout ce qui est protection des individus, dans tout ce qui est protection des droits de l'homme, dans tout ce qui est sensibilisation ou information par rapport aux grands enjeux, n'est-ce pas? Et les ONG, leur domaine d'activité est varié, du politique au social, de l'économie, etc. Donc, ces deux entités-là, leur importance se mesure dans les domaines d'activité dans lesquels ils se trouvent, ou elles se trouvent, parce qu'on parle des firmes et des ONG. Okay. Fatih Laubenias, quelle est la place de l'individu dans la société internationale? On en a parlé aussi quand, tout à l'heure dans la présentation. C'est une place importante, fondamentale. Okay. Aujourd'hui, l'individu est un acteur important en matière de relations internationales, en matière de relations internationales, de telle sorte que l'individu est considéré comme un acteur, comme les firmes, comme les ONG, comme les États, considéré comme un acteur des relations internationales. Beaucoup de choses aujourd'hui se font avec l'individu. Okay? Tout à l'heure, on a parlé, par exemple, de l'influence que l'individu peut avoir, ou les individus dans leur dimension collective peuvent avoir sur... en influençant les décisions des États, en influençant la politique internationale des États. Vous voyez que les individus ont un aspect important dans le système international, dans la société internationale. Ce sont des acteurs importants de cette société internationale-là parce qu'ils influencent à la fois les États, à la fois les organisations internationales, les organisations non gouvernementales, parfois même des firmes peuvent être influencées par les individus et les amener à adopter une autre position, une autre stratégie par rapport à un enjeu donné. Bassirou Baldé, l'importance des firmes internationales, je viens de répondre, sur tout ce qui est la dimension économique et financière et commerciale, etc., des firmes multinationales et les relations avec les États. Quels sont les rôles des ONG dans un système anarchique? Là, vous posez une question... qu'est-ce que vous entendez système anarchique? Okay? Est-ce que c'est par exemple dans un cas où, dans un pays où il n'y a pas de. Où règne l'anarchie? Okay? Ou bien vous parlez du système international qui serait anarchique? Là, on parle d'autre chose. Mais je suppose que vous parlez d'un pays ou d'une région qui serait anarchique. Les ONG interviennent pour généralement aider ou protéger ou pour améliorer les conditions de vie, justement, des individus. Okay? Quand on parle des questions migratoires, quand on parle des réfugiés, quand on parle des apatrides, quand on parle des minorités, tout ça, les ONG peuvent intervenir pour aider en travaillant avec des États ou pas, en travaillant avec des organisations internationales ou pas, pour améliorer le sort, n'est-ce pas, de ces individus-là. Même si c'est dans une situation, bien évidemment, anarchique. Mon Diaba Chris Tchao, bonjour monsieur, je veux savoir la signification des personnes privées. Pour faire simple, les personnes privées, c'est l'ensemble formé par les personnes physiques et les personnes morales. Ok, on l'a vu tout à l'heure. On a dit que les personnes physiques, c'est vous et moi, c'est les individus, c'est les personnes humaines, c'est les humains, ça les personnes physiques. Les personnes morales,
c'est quand vous et moi, donc les personnes physiques, décidons de former une entité, association, ONG, etc. Une entité qu'on décide de former, et cette entité-là aura une personnalité juridique. Cette personnalité juridique-là peut être interne, donc interne à l'État. Donc nous, vous et moi, on décide de créer une association. Cette association-là sera reconnue par l'État sénégalais, par la loi sénégalaise. La loi sénégalaise, comme la loi française, comme la loi italienne, comme la loi américaine, prévoit les statuts de reconnaissance d'une association. Et donc, quand on va créer notre association et qu'elle sera reconnue par la loi sénégalaise ou qu'on la crée selon la loi sénégalaise, on dira que cette association-là est une personne morale. À une personne morale parce qu'elle a une personnalité, n'est-ce pas, juridique. Et c'est l'ensemble, donc, personne morale, personne physique, qui constitue ce qu'on appelle les personnes privées. Privées parce que ce n'est pas, par exemple, l'État qui peut être public. Ça doit être le rôle d'une firme internationale dans un pays. Ça, je pense que j'ai déjà répondu à cette question-là. Est-ce que les organisations internationales parviennent à jouer le rôle? Ça aussi, j'ai répondu. Les firmes ne sont pas un handicap pour les pays sous-développés comme le Sénégal. Écoutez, c'est un débat qu'on parle pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on arrive toujours à la responsabilité de l'État. On arrive toujours à l'engagement et à l'intérêt de l'État. C'est à l'État en question. Ici, en l'occurrence, l'État sénégalais, de définir les critères d'implantation, de localisation ou de délocalisation, comme vous voulez, des firmes qui veulent, d'installation, on va dire, d'une firme étrangère. Et c'est à l'État sénégalais de s'assurer que cette firme, n'est-ce pas, respecte ses engagements, que ce soit des engagements économiques, commercial, social, humanitaire, etc. C'est à l'État sénégalais de veiller à ce que les firmes qui s'installent ici respectent leur engagement. Donc c'est à l'État sénégalais de définir, de vérifier, de consulter, de surveiller tout ça, de surveiller donc si la firme ou si les firmes étrangères respectent ou vont dans l'intérêt, n'est-ce pas, du gouvernement ou de l'État ou de la population sénégalaise. Est-ce que l'État qui encourage la formation des ONG soutient leur action lorsqu'elle va dans le sens de la politique qu'ils entendent mener? Oui. Écoutez, les ONG et les États, là aussi, la relation est très complexe, on l'a vu. Et quand les ONG ont des positions ou des politiques qui vont dans le sens de celles des États, bien évidemment, vous comprenez que ça facilite les relations. Quand c'est les ONG qui condamnent les politiques des États ou les positions des États, vous comprenez évidemment là aussi que les relations entre les ONG et les États peuvent être difficiles. Donc tout dépend effectivement de l'action, de la position des ONG et des États sur l'enjeu ou sur un enjeu donné pour pouvoir évaluer la nature ou le degré de coopération ou le degré de méfiance ou le degré de rivalité entre les États et les ONG. Quel serait le rôle des ONG pour bien garantir l'éthique d'entreprise? Écoutez, les ONG sont là pour surveiller, peuvent être là aussi justement pour surveiller les activités des entreprises. Est-ce que les activités des entreprises répondent ou garantissent, par exemple, un exemple parmi tant d'autres, les droits des communautés, les droits des populations, les attentes des populations. Par exemple, une entreprise qui s'installe dans une ville ou dans une région du Sénégal, une ONG qui se trouve au Sénégal, qu'elle soit internationale ou nationale, peut venir étudier ou sensibiliser sur les activités de cette entreprise-là, sur le territoire ou sur la région en question. Okay. Et donc, amener l'entreprise ou la firme à s'interroger sur son influence, son impact sur la région. Okay. Donc, elle est là aussi pour surveiller, pour informer,
pour sensibiliser, on l'a vu tout à l'heure, sur les activités non seulement des États, mais aussi des grandes firmes ou tout simplement des entreprises locales, nationales. Si l'État collabore avec les ONG, est-ce que ça serait bénéfique pour lui? Oui, il y a des cas où l'État a besoin des ONG. L'État a besoin des ONG. Par exemple, quand un État fait face à des questions relatives aux minorités, aux réfugiés, aux migrations, etc., généralement, ces États-là font appel à des ONG pour, dans leur politique. Par exemple, quand il y a des conflits un peu partout dans le monde, vous voyez bien que la Croix-Rouge ou le Croissant Rouge, est sollicité. Pourquoi? Parce qu'ils ont une expertise depuis plus d'un siècle sur la protection des individus dans les conflits. En plein conflit, on sait donc que le CICR a une connaissance, n'est-ce pas, de la protection des individus en cas de conflit. Et donc, les États respectent globalement l'engagement, l'implication de la Croix-Rouge, et donc facilitent le plus souvent les activités de la Croix-Rouge. Après, il peut y avoir des cas d'exception, il peut y avoir des débordements, il peut y avoir même des scandales où des représentants des ONG sont mis en danger, sont parfois même assassinés ou tués, ou sont victimes de victimes collatérales de la guerre. Mais globalement, les États, il arrive souvent que des États fassent appel aux ONG pour intervenir sur un enjeu ou sur un problème donné. C'était la question de Nogoy Ndiaye. C'était pour l'instant ces dernières questions-là. Donc, au vu des questions, ce qui est important à noter, okay, c'est d'abord quoi? Une organisation non gouvernementale est une personne morale, c'est-à-dire qu'elle a une personnalité juridique qui n'est pas internationale, mais qui est interne à l'État dans lequel cette organisation-là est née, ok? Et elle est différente de ce qu'on appelle les organisations intergouvernementales ou internationales, ok? Les organisations internationales qu'on a vues dans le dernier chapitre, chapitre 3, le chapitre 2, ces organisations internationales-là ont une personnalité juridique internationale qui est dérivée parce qu'elles ont été créées par des États. Les organisations non gouvernementales n'ont pas cette personnalité juridique internationale-là et elles sont créées généralement par des personnes physiques ou d'autres personnes morales. Y a-t-il des firmes qui sont d'origine africaine? Ah oui. Dibor Diouf, vous avez beaucoup de firmes qui sont d'origine africaine. Au Sénégal, la Socosim, vous pouvez la considérer comme une firme internationale parce qu'elle a des activités au Sénégal, mais elle a des activités aussi en dehors du Sénégal, même si c'est dans la sous-région, mais elle a des activités. Dès que ça sort du territoire national, c'est une firme internationale. Okay? CCS, c'est une firme qui a des activités ici, mais aussi au Mali, etc. Orange, même si c'est pas une firme africaine, mais qui est présente en Afrique. MTN, tout ça, c'est des grandes firmes africaines. Donc, les firmes africaines, vous en avez plusieurs. Il y a effectivement des firmes d'origine africaine. Est-ce qu'ils ont la même envergure que les firmes américaines? Évidemment que non. Mais il y a des firmes africaines, il y a des firmes qui sont présentes en Afrique un peu partout dans le monde, il y a des firmes qui sont présentes en Afrique plus généralement. Est-ce qu'une personne privée est une personne qui n'a pas de droit dans sa société? Non. Bien au contraire, c'est une personne qui a des droits. Okay? Personne privée, c'est une personne qui a des droits. Donc, il faut faire attention. Personne privée, ce n'est pas une personne qui n'a pas de droits dans sa société. Non, ce n'est pas du tout ça. Les personnes privées, c'est tout ce qui, pour faire simple, n'est pas personne publique. On va faire par élimination. Okay? Et donc, tout ce qui n'est pas personne publique, par exemple l'État,
L'État a une personnalité publique. Les régions, les villes ont des personnalités publiques. Personnalité privée, c'est tout ce qui est dans la sphère privée. OK? Et dans, comme je l'ai dit tout à l'heure, les personnes privées, vous avez deux types de personnes privées. Les personnes physiques, vous et moi, et les personnes morales, c'est-à-dire les entités concrètes, vous et moi, on crée une association. Cette association-là a une personnalité juridique, a une personnalité morale. C'est ça qu'on appelle les personnes morales. N'est-ce pas? Donc, les nids, il faut faire attention. Vous ne pouvez pas dire qu'une personne privée est une personne qui n'a pas de droit dans sa société. Non, c'est plutôt le contraire. N'est-ce pas? Alassane Conaré, pourquoi les firmes multinationales à but lucratif sont plus valorisées? Écoutez, d'abord, il y a un euphémisme dans la question. Les firmes multinationales sont à but lucratif. Okay? Les firmes multinationales sont à but, donc il n'y a pas besoin de préciser à but lucratif. C'est d'abord des buts lucratifs. Okay? Pourquoi ils sont valorisés? Ça dépend. Ils sont valorisés notamment dans le secteur économique, financier, commercial, parce qu'ils sont au cœur, je le répète encore une fois, de l'économie mondiale. Okay? On ne peut pas aujourd'hui parler de l'économie internationale sans faire référence aux firmes nationales, mais surtout aux firmes internationales, aux multinationales, transnationales. C'est elles qui créent de la croissance, c'est elles qui emploient, c'est elles qui permettent aux États d'avoir des rentrées d'argent assez importantes, c'est elles qui paient des impôts, etc. Donc, les firmes multinationales sont des acteurs internationaux très importants, et plus particulièrement dans le domaine économique, financier et commercial. N'est-ce pas? Nyabusou, quel est le rôle des organisations internationales dans la coopération? La réponse est dans la question. Les organisations internationales sont des liens de coopération. Comme on l'a vu, ça, c'est plutôt le cours précédent. Les organisations internationales, les organisations intergouvernementales favorisent la coopération et la coordination entre les États. Okay? On dit que l'ONG n'a pas de personnalité juridique internationale, donc pourquoi part-on de portée géographique internationale des ONG? Évidemment, oui, Amdikan, quand on dit que les ONG n'ont pas de personnalité juridique internationale, ça veut dire qu'ils n'ont pas des droits et des obligations sur qui a été défini par le droit international. Okay? C'est ça que ça veut dire. Le droit international, public notamment, ne reconnaît pas une personnalité juridique, donc un ensemble de droits et d'obligations comme elle le reconnaît pour les États. Ce sont les États, les organisations internationales qui ont des personnalités juridiques. Mais les organisations non gouvernementales ont une personnalité juridique interne, c'est-à-dire interne, relative à un État. Et ça n'empêche pas que leur activité, quand on parle de portée géographique, c'est que leur activité dépasse un territoire, dépasse le cadre national. Dans ce cas, on dit qu'ils ont une activité, ils ont une portée géographique internationale. N'est-ce pas? C'est deux choses qui sont complémentaires, mais qui sont différentes. Il faut faire attention. Donc, personnalité juridique internationale, c'est le droit international ne reconnaît pas des droits, un ensemble de droits, un ensemble d'obligations aux ONG comme pour les États ou comme pour les organisations intergouvernementales. Mais cela n'empêche pas que les ONG, une organisation non gouvernementale suisse ou sénégalaise a des activités au Sénégal, mais peut avoir des activités au Rwanda ou en Gambie si le territoire gambien ou rwandais l'accepte dans son territoire. N'est-ce pas? Donc, tout dépend, agit par l'acceptation qu'en font les États. Et les organisations internationales, intergouvernementales, reconnaissent souvent les ONG comme des membres observateurs ou des membres qu'on peut consulter, n'est-ce pas? Donc, d'où le rôle consultatif, n'est-ce pas, des ONG. Maïmouna Djidjou, peut-on dire que les firmes internationales commandent les firmes nationales? Écoutez, la relation entre les firmes nationales et les firmes internationales peut ne pas être une relation de hiérarchie, de commandement. Une firme nationale
peut-être donc présent dans un territoire, peut avoir une activité totalement différente d'une firme internationale qui est là. Donc, parfois, une firme internationale n'aura rien à voir avec des firmes, avec une firme nationale sur un territoire donné. Okay? Le plus important, c'est quoi? C'est que la firme nationale, comme la firme internationale, a des activités sur un territoire donné et que l'État en question veille à ce que ces activités-là rentrent et répondent à ses intérêts économiques, commerciaux, humanitaires, sociaux, etc. C'est donc aux États de veiller à ce qu'une firme, qu'elle soit internationale ou nationale, respecte les lois et règlements de l'État et que leur activité rapporte quelque chose à cet État-là et à cette population-là. Oumar Diallo, quels sont les droits des firmes internationales installées dans un pays? Écoutez, quand une firme décide de s'installer dans un pays, elle a des informations, elle prend connaissance de la loi, de la législation dans ce pays-là. Et donc, elle doit respecter les lois et les règlements, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à ce pays-là. Ensuite, un pays peut décider d'accorder des prérogatives pour attirer à cette entreprise-là ou à ces entreprises-là ou à ces firmes-là afin de les attirer. On peut leur dire, oui, vous deviez tant d'impôts, mais pour vous permettre de vous installer chez vous, on va vous diminuer, je dis quelque chose, par exemple, 5 ou 10% par an, mais par contre, vous devez employer des Sénégalais, vous devez être présent socialement, etc. Donc tout ça, c'est l'État, c'est le pays qui définit les conditions dans lesquelles les firmes s'installent dans un pays. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas les firmes qui définissent les conditions dans lesquelles ils vont s'installer et que l'État n'a pas ce mot à dire. Non, c'est à l'État de définir ces conditions. Ensuite, on discute, on trouve un terrain d'entente. Okay? Personne n'impose à l'autre quoi que ce soit, mais l'État a la prérogative de dire à une firme, si vous voulez vous installer chez nous, voilà comment ça va se passer. Et la firme dit, OK, ou non, dans ce cas, on ne s'installe pas. Ou oui, dans ce cas, on s'installe, mais est-ce que vous pouvez faire ça, ça, ça pour nous? Donc, c'est comme deux individus qui discuteraient. Imaginez aujourd'hui, vous êtes, M. Omar Diallo, propriétaire d'une maison et il y a un locataire qui veut rentrer. Vous dites au locataire, voici les conditions dans lesquelles on va vivre dans la maison. Le locataire est libre d'accepter ou pas. Okay? Il est aussi libre de vous dire, OK, je comprends vos conditions, mais vu ma situation telle, vu que je suis handicapé ou j'ai certains problèmes, il me faudrait ça, par exemple, un escalier, il me faudrait, il y a des horaires, vu mon travail, il y a des horaires auxquels je vais rentrer tard, même si d'après vous, à 22 heures, on ferme la porte, mais moi, je finirai souvent à 23 heures. Vous voyez, cette discussion-là, ce type d'arrangement-là que vous faites dans la sphère privée, vous l'avez exactement entre les États et les firmes, sur d'autres, bien évidemment, à des degrés plus élevés. Okay? Donc, au final, c'est à l'État de définir les conditions d'entrée, c'est à la firme de les accepter ou pas, et c'est aux deux de discuter sur ces conditions. Le plus important, c'est que ce soit une firme nationale ou multinationale, elles doivent respecter la législation, la loi, la constitution, n'est-ce pas, de l'État sur lequel ou dans lequel ils veulent s'installer. Sigassou, les firmes multinationales présentent à la fois des avantages politiques et économiques. Oui, oui, on l'a vu tout à l'heure. Quand je reprends l'exemple des États-Unis, quand vous avez la première économie mondiale qui détient en son sein de grandes firmes multinationales qui sont influentes, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde, qui ont des chiffres d'affaires qui sont parfois supérieurs à la croissance de certains pays. Donc, ça veut tout dire. Ces firmes-là ont une influence à la fois économique et politique, non seulement pour les États-Unis, c'est une arme extraordinaire que détiennent les États-Unis à travers ces firmes-là, même si ce ne sont pas des firmes qui appartiennent au gouvernement américain, mais le gouvernement américain, à travers les relations qu'il a avec ces firmes-là, peut s'appuyer sur ces firmes-là pour avoir étendre son influence économique et politique sur la scène internationale. Et les firmes elles-mêmes peuvent avoir des influences politiques et économiques sur un État ou dans des États. N'est-ce pas?
Le Sénégal a-t-il des ONG européennes? Oui, il y a des ONG européennes qui sont présentes au Sénégal. Okay? Il y a des ONG européennes qui sont présentes au Sénégal. Est-ce qu'il y a des ONG sénégalaises qui sont présentes en Europe? À ma connaissance, non, mais je ne voulais pas m'avancer là-dessus, sincèrement. Ce serait plutôt des ONG sénégalaises très actives, n'est-ce pas, au Sénégal et un peu partout dans la sous-région, peut-être, et des ONG européennes qui sont très actives en Afrique, qui sont très actives dans les Amériques, qui sont très actives en Asie, qui sont très actives en Europe, bref, qui sont très actives un peu partout dans le monde. Voilà. Quels sont les objectifs fondamentaux d'une institution internationale? Écoutez, on l'a abordé dans les premiers cours, une institution internationale, elle a divers objectifs. Okay? Mais avant tout, c'est un lieu de coopération, c'est un lieu de coordination, c'est un lieu d'échange, d'information entre des acteurs, que ce soit des acteurs étatiques ou des acteurs non étatiques. Et si on prend l'exemple des organisations internationales intergouvernementales, c'est un cadre dans lequel les États échangent, les États coopèrent, les États coordonnent leurs activités sur un ou des enjeux divers. Pour faire simple, l'influence des personnes privées constitue-t-elle des menaces pour l'État? Bonne question. Tout dépend du domaine d'activité et du type d'influence justement des personnes privées. Écoutez, par exemple, les firmes internationales ou les ONG peuvent constituer des menaces pour certains États. Okay? Quand les États sentent que leurs intérêts sont menacés, quand les ONG dénoncent des activités étatiques qui ne seraient pas, disons, morales ou éthiques ou quoi que ce soit, ou bien qui entreraient en conflit avec les intérêts des États, vous comprendrez que les États perçoivent ces ONG-là ou ces firmes-là comme des menaces. Okay? Mais on arrive toujours à la même conclusion, c'est-à-dire la relation entre les États, les ONG, les firmes, etc., est une relation, des relations très complexes parce qu'elles sont à la fois des relations de coopération, mais aussi de concurrence, de rivalité, de méfiance, entre autres. Quels sont les inconvénients des firmes nationaux dans le développement des pays africains? Qu'il s'agisse des firmes nationales ou des firmes internationales, si l'État ne met pas en place toute une stratégie pour garantir l'implication de ces firmes-là au niveau économique, au niveau social, au niveau de l'emploi, ça peut être problématique pour le développement africain. C'est-à-dire que c'est aux États, en particulier aux États africains, de faire de telle sorte qu'il s'agisse des firmes nationales ou des firmes multinationales, que leurs activités prennent en compte les intérêts économiques, sociaux, commerciaux, financiers, etc. de ces États-là. Si les États n'arrivent pas à garantir cela, ça peut effectivement poser problème. Et on le voit généralement dans nos États. Après, un des grands problèmes qu'ont les États africains en matière d'entreprises, de firmes internationales. Bien sûr, il y a des firmes africaines, comme on l'a dit tout à l'heure, mais un des grands problèmes, c'est que ces firmes-là se cherchent encore une influence sur l'économie ou sur le niveau d'emploi des pays africains. Donc, il faut que ces firmes-là soient beaucoup plus puissantes, il faut que ces firmes-là soient beaucoup plus intégrantes, il faut que ces firmes-là soient beaucoup plus impliquées dans le développement, dans le social, etc., des pays africains. C'est peut-être un des défis des pays africains en matière de développement. Et ça passe notamment par le développement d'un certain, par exemple, dans le domaine industriel, de grandes industries. Et aujourd'hui, c'est un des problèmes de nombreux pays africains comme le Sénégal, c'est que nos pays africains n'ont pas de grandes industries. Et c'est dans ces grandes industries-là qu'on peut retrouver, n'est-ce pas, des grandes firmes africaines. Mais pour l'instant, notre tissu industriel, depuis les années 80, connaît de nombreux problèmes. Aujourd'hui, on a d'énormes difficultés pour trouver de grandes firmes africaines dans le domaine industriel, notamment. Après, un des domaines où les pays africains peuvent jouer un rôle qui est un domaine d'avenir, c'est dans tout ce qui est technologie,
dans tout ce qui est numérique, ça, les jeunes Africains que vous êtes, les futurs décideurs africains que vous serez, j'espère, les futurs investisseurs ou créateurs d'entreprises que vous serez, devez prendre ça en conscience, à dire que la technologie, le numérique, Internet, tout cela, okay, les données, tout ça, c'est des secteurs dans lesquels les pays africains peuvent, à mon avis, apporter une plus-value et être des acteurs importants. Sinon, on sera aussi à la traîne comme on l'est dans le domaine industriel. Et ça, c'est à nous, et particulièrement à vous, qui serez les Africains de demain, n'est-ce pas, de lutter pour ça. C'est juste une parenthèse, n'est-ce pas, on va dire idéologique. Alors, quels sont les objectifs? Ça, j'y ai répondu, les objectifs d'une institution internationale, on a répondu. Il y a des questions qui reviennent. Est-ce que toute personne qui a la possibilité de financer ou d'être financée peut créer une firme? Sinon, quelles sont ces personnes qui ont la possibilité de créer une firme? Écoutez, vous aujourd'hui, Bernadette Dibornou, vous pouvez dire, je vais créer une entreprise, okay, qui ne sera pas peut-être internationale ou multinationale tout de suite, mais une entreprise, disons, nationale. Vous créez votre entreprise. 2, 3, 4, 5, 10 ans après, votre entreprise est un succès et vous commencez à étendre vos activités. Vous l'avez créée au Sénégal et 5, 10 ans après, votre activité, vous avez des activités en Gambie, en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry, au Mali, en Mauritanie. C'est rien que ça, pour certains, vous avez une firme multinationale parce que vous avez dépassé le cadre national. 15 ans après, votre activité s'étend en France, en Europe, après en Chine. Là, vous devenez une firme multinationale. Vous devenez une firme multinationale. Donc, il suffit, dans la définition qu'on a vue dans le cours, effectivement, une personne peut créer une firme. Et c'est généralement le cas. General Motors a été créé par quelqu'un. Coca-Cola a été créé par Disney, a été créé par Walt Disney. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui est présente un peu partout dans le monde. Ses activités sont un peu partout dans le monde. OK? Au Sénégal, la SOCOSIM a été créée par quelqu'un. On pourrait en citer. Donc, pratiquement toutes les firmes multinationales ont été créées par des personnes, par des individus, par un ou des individus. Et au fur et à mesure que ces activités, que ces firmes, que cette firme-là, que cette entreprise-là gagnait en activité, elle est devenue aujourd'hui multinationale. Quand Bill Gates fondait Microsoft dans son garage, ou quand Steve Jobs formait Apple dans son garage, ce n'était pas encore une firme internationale. 10, 15, 20 ans et aujourd'hui, les deux sont devenus de grandes firmes multinationales. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut commencer par quelque part. On n'est pas tout de suite une firme multinationale, peut-être, mais on peut devenir facilement ou difficilement, selon, bien sûr, je pense qu'il n'est jamais facile de devenir une firme multinationale, mais vous comprendrez que les conditions. Une firme devient multinationale au Sénégal ne sont pas les mêmes qu'aux États-Unis, ce qui est normal. C'est assez relatif aussi. Est-ce que toutes les firmes sont accueillantes dans certains pays? Je ne comprends pas la question, Khalil. Est-ce que toutes les firmes sont accueillantes dans certains pays? Est-ce que toutes les firmes sont accueillies dans certains pays? C'est aux firmes de décider là où ils veulent s'installer et c'est aux États d'essayer d'attirer ces firmes. Vous avez ce double sens-là. Des fois, c'est les pays qui essaient d'attirer les firmes multinationales. Venez chez nous, on a une bonne main-d'œuvre, on a une bonne qualité, on a une stabilité politique et financière, on a des ressources humaines assez importantes, on a un capital humain, ce qu'on appelle le capital humain. On a un capital humain qui est très riche. Donc, venez chez nous, ça c'est les firmes voient. Est-ce qu'on a un intérêt de faire? On y va. Et une firme peut décider, peut solliciter à l'inverse un pays et s'installer. Donc, vous avez des firmes qui sont présentes dans certains pays et pas dans d'autres. Okay? Et vous avez certains pays qui accueillent certaines firmes et pas d'autres. Donc, le mouvement est assez dans les deux sens. Est-ce que dans le but lucratif des firmes nationales, l'État y reçoit une partie? Oui, quand une firme s'installe dans un pays, cette installation-là a des retombées pour le pays qui l'accueille, mais aussi pour le pays d'origine, parce que
une firme américaine a toujours payé des impôts, des taxes et toute autre chose aux États-Unis, mais quand elle s'installe au Sénégal, elle va aussi avoir des obligations financières, fiscales, d'impôts, n'est-ce pas, par rapport au pays où elle s'installe. Donc, l'activité lucrative des firmes nationales a des retombées pour, justement, pour les États. Bien évidemment. Ça, c'était la question de Ney Yassine Gueye. Rose Degen Bambouki, qui demande si, par exemple, Auchan, ils peuvent s'installer dans le personnel de travail, doit être sénégalais. Je vois que c'est l'une des conditions. Oui, l'État sénégalais peut dire à Auchan, si vous vous installez chez nous, il faut employer les Sénégalais à tel salaire, etc. Et ils en discutent, ok? Mais Auchan peut employer aussi d'autres personnes qui ne sont pas sénégalais. Par exemple, imaginez-vous, si jamais vous avez un ami ivoirien ou congolais ou centrafricain ou comorien qui vit au Sénégal, qui est un étudiant qui veut travailler. On ne va pas dire à Auchan, Auchan ne va pas dire, ou bien l'État sénégalais ne va pas dire cette personne-là ne peut pas travailler chez Auchan parce qu'il n'est pas sénégalais. Non, dès l'instant que cette personne-là est légalement sur le territoire sénégalais, il a le droit d'exercer un travail. Donc Auchan peut dire par contre, vous devez employer dans vos emplois. Le Sénégal peut dire à Auchan, par exemple, vous devez avoir tel niveau, tel nombre de Sénégalais dans vos magasins, peut-être. Ou bien le niveau de salaire doit être de ça. Oui, d'après la législation. Okay? Mais c'est difficilement qu'un État peut exclure d'autres personnes quand une firme internationale vient s'installer. Okay? Il y a des problèmes de droit interne et des fois même de droit international qui font que cela n'est pas possible. Mais le personnel de travail, le gouvernement sénégalais peut dire à Auchan, vous n'allez pas prendre des gens ailleurs pour les amener ici, vous allez employer des Sénégalais. Maintenant, on ne peut pas employer tous les Sénégalais, mais vous allez en employer, bien évidemment. Est-ce que les ONG ont le droit de manifester? Écoutez, le droit de manifester, n'est-ce pas, Bourama Massal? Et le droit de manifester est garanti par la Constitution, par les lois généralement de pratiquement tous les États, en tout cas qui s'appellent les États qui se veulent démocratiques. Donc les ONG, comme les individus, ont le droit évidemment de manifester. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Est-ce que les personnes privées ont une personnalité juridique? Je le répète encore une fois, les personnes privées ont une personnalité juridique interne. OK? Un Sénégalais ou une personnalité juridique interne à la loi. Okay? Donc, les personnes privées, vous et moi, on a une personnalité juridique interne, donc on a un ensemble de droits et d'obligations qu'on doit respecter par rapport à la loi sénégalaise. Si on décide de former une association, l'association des étudiants de l'UVS ou l'association de la promotion de l'UVS, okay, vous créez cette association-là. L'association-là a une personnalité juridique régie par la loi sénégalaise, okay, mais elle n'a pas une personnalité juridique internationale régie par le droit international, non. Donc c'est ça, à la différence des États et des organisations internationales, gouvernementales ou intergouvernementales. N'est-ce pas? Quelles sont les menaces? Adim Ben Diop, je n'ai pas compris. Quelles sont les menaces à quoi? Je ne comprends pas. Marie-Noël Gomis, quel est l'impact des ONG et des firmes dans un pays? Est-ce que leur existence est vraiment nécessaire? Sur la nécessité, ça serait un débat pour lui, pour certains oui, pour d'autres non. On peut difficilement dire qu'un acteur est nécessaire. Okay. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, un pays, par exemple, peut difficilement se passer d'avoir des entreprises, n'est-ce pas? Parce que ce sont les entreprises qui sont au cœur de l'économie de ce pays. Okay. Ce sont ces entreprises qui vont créer des surplus, qui vont créer de la croissance, qui vont employer des gens. Ces gens-là vont consommer. Ces produits de consommation-là, il faudra les fabriquer. Qui va les fabriquer? Ce sont des entreprises, etc. Donc, vous voyez bien que les firmes sont très, très, très importantes.
okay, limite, on peut dire nécessaire. Oui, pourquoi pas. Et leur impact, on l'a vu tout à l'heure, que ce soit les firmes ou les ONG, ils ont un impact, leur impact est divers. Okay. Ça a peut-être un impact sur les politiques, sur l'économie, sur le social, comme dans un pays, mais aussi au niveau international. Les firmes multinationales entretiennent-ils des relations étroites avec les organisations internationales? Les organisations internationales intergouvernementales n'ont pas tout à fait des relations très, très, très étroites, on va dire, avec les firmes multinationales, parce qu'ils interviennent sur des domaines différents. Vous avez d'un côté les firmes multinationales qui sont des organisations qui ne sont pas formées par des gouvernements, mais formées par des privés, par des personnes privées, par des personnes physiques, par des personnes morales, etc. Et vous avez des organisations internationales créées par des États. Leur domaine d'activité n'est pas le même. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en interaction. Non, bien au contraire. L'ensemble des acteurs du système international sont en interaction. Okay? Mais les organisations internationales aujourd'hui ne peuvent pas légiférer sur les firmes, par exemple. Okay? Les firmes multinationales, ce qui peuvent légiférer sur eux, ce sont les États. Ce sont les États dans lesquels ces firmes-là veulent intervenir ou interviennent, ou dans lesquels ces États, dans lesquels elles sont nées, ce sont ces États-là qui peuvent légiférer sur les firmes multinationales. Quelle est la procédure de création d'une firme ou d'une ONG? Écoutez, ça diffère selon les pays. Hein. Créer une entreprise au Sénégal n'est pas la même chose que créer une entreprise en France ou en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. C'est à la législation de chaque pays de définir comment est-ce qu'on peut créer une firme nationale qui deviendra ensuite multinationale. Quel est le statut de cette firme-là, de cette entreprise-là? Et c'est à chaque législation de définir le statut ou la création, le mode de création d'une ONG aussi. Okay? Le plus important, c'est que ces firmes-là, ces ONG-là, doivent respecter le droit interne, donc la législation interne de chaque État, l'État où ils ont été créés, et doivent respecter la législation ou la constitution des États dans lesquels ils veulent ou elles veulent s'installer. C'est le plus important. Mais la procédure de création d'une firme ou d'une ONG diffère bien évidemment, selon les États. Aboukama, quelle est la différence entre une firme multinationale et une firme transnationale? C'est la même chose. C'est juste l'appellation. C'est la même appellation. Multinationale pour dire que elle est active dans plusieurs, dans de multiples nations. Okay, on va dire ça comme ça. Transnationale qui dit que elle traverse, n'est-ce pas? Elle va au-delà d'une seule nation. C'est la même chose. Quand vous entendez film transnational, c'est la même chose que film multinational. C'est la même chose. Fatou Bintou Soare, est-ce que les investissements des ONG dans les pays africains sont gratuits ou y a-t-il quelque chose derrière? Est-ce qu'on peut dire que les ONG investissent? La notion d'investissement est plutôt relative aux firmes internationales. Et cet investissement-là n'est jamais gratuit. Quand une firme internationale investit au Sénégal, c'est pour avoir quelque chose en retour. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à l'État, qu'il soit africain ou pas, de s'assurer que cet État-là investit et a quelque chose en retour, mais que nous aussi, nous avons quelque chose en retour par rapport à cet investissement-là. La présence des ONG, elle n'est pas aussi gratuite. Les ONG au Sénégal ou un peu partout dans les pays africains, mais aussi un peu partout dans le monde, c'est pour répondre à un enjeu donné. C'est pour répondre à protéger les droits des femmes, les droits des migrants, pour les droits des enfants, etc., pour être actif sur la protection de l'environnement, les questions climatiques. Donc, c'est pour un enjeu donné. Et les efforts, disons, financiers pour ce que l'ONG va faire pour s'installer sur ce pays-là, est-ce qu'elles sont gratuites ou pas? Non, on ne peut pas dire qu'elles sont gratuites parce qu'elles servent à quelque chose. C'est pour que l'ONG soit efficace dans son action. Mais le plus important, c'est que quel que soit
les moyens financiers que l'ONG va mettre. Son but premier, ce n'est pas d'avoir quelque chose en retour, en bénéfice, en chiffre d'affaires. Ça, c'est pour les firmes multinationales. Amadou Tidiane Seydi, est-ce que le gouvernement qui fixe le prix des marchandises des firmes dans le pays? Vous savez, en matière commerciale ou autre, effectivement, les firmes viennent dans un pays et doivent respecter la législation de ce pays. C'est effectivement au pays de dire que tel produit sera produit par telle entreprise, doit être présent dans telle fourchette de prix, par exemple. Okay? Mais l'État ne peut pas, globalement en tout cas, ne peut pas forcer une entreprise à donner un prix exact à un prix donné. Parce que dans la fabrication de ce produit-là, l'entreprise a des coûts. Elle a des coûts de production. Donc, l'entreprise doit fixer un prix en fonction de ce coût de production-là. Là, on est dans l'économie. Je ne voulais pas trop m'avancer parce que c'est pas... Mais comprenez que quand vous voulez créer un stylo, vous avez une entreprise, vous créez un stylo, vous mettez en place tout ce qui est nécessaire pour créer le stylo. Quand vous allez avoir le stylo à la fin, vous allez calculer tout ce que vous avez investi pour créer le stylo et voir à quel prix vous pouvez le vendre pour vendre ce stylo-là. La seule chose que l'État met en place, c'est les conditions pour vous permettre de produire ce stylo-là et les conditions pour vous permettre de vendre ce stylo-là à un prix, disons, raisonnable. Et même des fois, l'État, c'est pas à l'État, c'est juste le marché qui fait ça. C'est-à-dire que si vous produisez un stylo et que vous le vendez à 500 francs, même si l'État le permet, mais le marché en lui-même fera qu'un autre va créer un stylo et le vendre à 150 ou à 100 francs. Automatiquement, le marché a donc fait que les gens vont se tourner vers celui qui vend à 100 francs. Et pourtant, c'est le même stylo. Donc, vous, votre intérêt, c'est aussi de ne pas avoir un prix qui ne dépasse pas. Donc là, on est dans l'économie. Là. Mais pour faire simple, que ce soit économique, commercial, financier, etc., les firmes, une firme qui vient s'installer dans un pays doit respecter la législation qui a été mise en place par cet État. Et cette législation-là, elle peut toucher, elle concerne à la fois le commerce, l'économie, la fiscalité, le social, etc. Ulimata Fanta Bojan, est-ce que les pays accueillants peuvent donner des conditions? Oui, on vient d'en parler. C'est généralement le cas. Quand une firme s'installe dans un pays, elle doit respecter les conditions qui ont été établies par l'État. La firme peut décider de prendre en compte ces conditions-là et de s'installer. Si la firme sent qu'elle n'est pas, ces conditions ne l'arrangent pas, bien, elle ne s'installe pas. Ou bien si ça ne l'arrange pas, mais elle veut coûte que coûte s'installer, elle peut entamer des discussions avec les, c'est généralement le cas. Les entreprises discutent avec les États discutent avec les entreprises pour s'installer dans un territoire. C'est pour ça, on dit, et je répète encore une fois, tous ces acteurs-là sont en interaction, en interconnexion permanente. Est-ce que les firmes peuvent se transformer, se déléguer, même disparaître? Oui, dit Bignas, effectivement. Une firme comme un État, comme un individu, comme une ONG, naît, se transforme et disparaît. C'est comme ça. Quand vous entendez parler de délocalisation, c'est parce qu'une firme est née quelque part, à un moment donné, délocalise ses activités dans un autre pays, par exemple. Une firme peut se transformer. On faisait telles activités, on décide d'agrandir nos activités ou de restreindre nos activités ou de changer complètement d'activité. Ça existe. Une firme peut disparaître parce qu'elle a été achetée par une autre grande firme ou bien parce qu'elle est tombée en faillite, n'est-ce pas? Donc, tout ça, c'est les firmes, c'est comme les personnes. Elles naissent, elles se transforment et elles meurent. Est-ce que les États savent bien négocier avec ces firmes, car on note que la plupart des États n'en bénéficient pas beaucoup. Soumaya Sen, est-ce que les États bénéficient beaucoup? Certains États plus que certains États, oui, d'autres non. Donc ça incombe à la responsabilité des États. Ça incombe à la responsabilité des États. C'est à chaque État de définir, de négocier avec la firme, de veiller à ce que, je l'ai dit tout à l'heure,
les conditions d'implantation d'une firme étrangère ou internationale soient bénéfiques à cet État et à sa population. Ça aux États. La Chine, par exemple, toute son avancée économique repose beaucoup sur le fait qu'elle a su s'ouvrir économiquement à des firmes américaines, françaises, britanniques, etc., et qu'elle a su tirer profit de cette présence de ces firmes-là. Aujourd'hui, elle est devenue une puissance mondiale, voire même la seconde ou la première puissance selon bien évidemment les données. Ils ont la deuxième puissance économique mondiale grâce à ça, à son ouverture économique. Elle a fixé les règles du jeu, elle a mis en place des conditions qui ont été jugées favorables par les firmes et elle a su tirer profit de ça. Et c'est un exemple qu'on peut donner aux pays africains, c'est-à-dire favoriser l'installation de ces firmes-là, mais aussi et surtout veiller à ce que cette installation-là soit bénéfique, non seulement à l'État, mais aussi aux populations. Et c'est ça un des défis de la présence des firmes multinationales dans les pays africains. Et ça, c'est aux États africains de régler cette problématique-là. Quelles sont les conditions nécessaires pour créer une association, une ONG? Ça rejoint un peu une question qu'on a vue tout à l'heure, Khadim Diop. Les conditions pour créer une association, une ONG, dépendent de chaque État. Créer une association ou une ONG au Sénégal a des conditions qui sont différentes de créer une association ou une ONG en France ou aux États-Unis. Donc, c'est aux États. C'est dans les États que sont définis les critères de création, n'est-ce pas, des ONG ou des associations. Il n'y a pas un critère international pour créer une ONG. Okay? Quelle est la première ONG mondiale? Ah, très monsieur, bonne question. Difficile de répondre à ces questions-là, même si on peut penser, beaucoup d'autres pensent que c'est la Croix-Rouge, n'est-ce pas, depuis sa création comme ONG, n'est-ce pas, comme ONG, organisation non gouvernementale. Dans l'époque moderne, beaucoup pensent que la Croix-Rouge, donc, si mes souvenirs sont bons, 1863 ou 65, qui est la première organisation non gouvernementale. Non gouvernementale. Michel Ndiaye, donc on va bientôt terminer les deux, trois dernières questions. Si l'État d'un pays décide d'augmenter le prix des denrées, est-ce que les firmes peuvent faire aussi la même chose? Bonne question, Michel. Ça rejoint la question tout à l'heure. Écoutez, vous voyez bien que ça répond à la question de vous tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont du ressort de l'État. L'État peut fixer le prix d'une denrée ou d'un produit. Okay? La firme peut dire à l'État, moi je vous le vends à temps ou je le sors de mes entrepôts à temps. Okay? Ensuite, c'est à l'État de voir si le prix fixé par les États l'arrange ou pas, comment il peut s'adapter. S'il ne peut pas s'adapter, peut-être quitter le territoire ou quitter l'activité, etc. Donc, la firme sur le territoire, normalement, n'a pas de prérogative supérieure aux États. Il faut bien comprendre ça. Les États sont les acteurs primaires des relations internationales. Les acteurs ont des prérogatives plus importantes que les firmes, même si des firmes peuvent être beaucoup plus puissantes que certains États. Mais ça n'empêche pas le fait qu'une firme américaine qui veut s'installer au Sénégal doit, quelle que soit la puissance américaine, quelle que soit la puissance de cette firme-là doit respecter la législation, la constitution, les lois et règlements du Sénégal. Et ça, c'est fondamental. C'est donc à l'État sénégalais de veiller à ce que ça soit le cas. Parce qu'il arrive que les firmes ne respectent pas cela. Ne respectent pas les lois environnementales, ne respectent pas les lois du travail, etc. Ça arrive. Comme vous et moi, il nous arrive de ne pas respecter les lois sénégalaises. Les firmes, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil parce qu'elles sont formées par des individus, par des personnes. Donc, il leur arrive de ne pas respecter. Et donc, c'est à l'État en place de faire de telle sorte de veiller à ce que les firmes respectent, comme les individus, respectent la loi, la législation, les règlements, la constitution de cet État-là. Et donc, c'est valable pour tout ce qui est relatif au prix des denrées, au prix à l'emploi des gens, au salaire, etc.
Quelles sont les limites des ONG? On l'a vu tout à l'heure, la question de l'autonomie d'action. Ils ont besoin des États, ils ont besoin d'avoir du financement des États. Et la question du financement des États fait parfois que les ONG, on le critique par rapport à cela. On dit, OK, vous êtes financé par les États. Est-ce que dans ce cas, vous pouvez critiquer les États ou aller à l'encontre des décisions des États? Vous voyez que ça peut poser problème. Le fait qu'ils n'ont pas de personnalité juridique internationale aussi peut constituer une limite. Le fait aussi qu'ils ont, dans les organisations internationales, davantage un rôle consultatif, n'ont pas de rôle décisionnel, ne prennent pas de décision par rapport aux États ou aux organisations. Ils ne peuvent rien imposer à ces États-là. Ils peuvent influencer, ils peuvent sensibiliser, ils peuvent informer, ils peuvent communiquer, mais ils n'ont pas de pouvoir décisionnel. Okay? Finalité des ONG, elles sont nombreuses à Modouri Diallo. Elles sont nombreuses. Okay? On l'a vu tout à l'heure. Les ONG peuvent avoir des finalités dans divers domaines, mais leur finalité, c'est ça, il est 11h, effectivement. Donc, c'est juste pour répondre à la dernière question. Et je vous répète encore une fois, le cours de M. Bodian à 11h est décalé à midi. OK? Donc, Madame Doucouré, la responsable de formation, qui m'a demandé de faire passer l'information. Donc, au lieu de 11h, vous verrez M. Bodian à 12h et j'espère que vous apprendrez beaucoup de choses comme d'habitude avec lui. Donc, voilà, on en a terminé pour ce chapitre-là et pour ces séquences-là. Il nous reste une séquence qu'on va faire la semaine prochaine. Et ensuite, on aura terminé les séquences. Après cette cinquième séquence, on aura une séquence de révision. On va en parler la prochaine fois, avant donc de clôturer le cours et de programmer certainement les examens. Donc voilà, séquence 5, séquence 4 aujourd'hui, séquence 5 certainement la semaine prochaine, si tout se passe bien, Inch'Allah, comme on dit. Et après la séquence 5, il y aura une séquence où on va réviser l'ensemble des séquences. Vous allez poser vos questions. On va faire une révision générale et ceci vous permettra de vous préparer pour l'examen final. Donc, je répète que ce cours n'a pas de TD. Donc, et faites vos exercices de test de connaissances. Voilà. Merci à vous. Bonne journée, bon courage et l'épaule et les doigts, faites attention pour ne pas trop manger. Voilà. Bonne journée.